On va pas retourner chercher là. Oh merde! Eh bien alors, comment ils vont? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On part en vlog photo. Suite à la vidéo où je vous parlais de photos animalières, on va aller mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Pour ça, encore une fois, on est accompagné d'un cadreur. Et ça, c'est quoi? C'est Good. C'est Good, exactement. Elle a tout dit. Donc on va se balader à la recherche des espèces les plus rares et les plus exotiques, comme on dit. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, on va aller là où il y avait une soirée clandestine. La fameuse soirée. On s'est fait courser par du gibier. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pensait. Putain, au final, c'était juste un clair. Pour filmer, du coup, je suis avec la 7-2 et on va faire les photos avec la 7-3 pour avoir un rendu mamma. On se retrouve dès qu'on est arrivé. Olé ! Pour les photos, du coup, 200-600, à 7-2, 3. Je me suis trompé. Il fait une chaleur, mais monumentale. J'ai voulu faire l'aventurier en mettant ma petite chemise, là. M'en se retroucher, nouveau mot. Allez, on va chercher les petits piafs. Ça sent les vaches. Pour information, il est 14h30, 15h, donc il fait bien, bien, bien chaud. Et les piafs, bah, sont couchés. Pour la vidéo, il dit qu'il fait chaud. On est en sueur, on est en trompe. Allez, avançons. Ah, mais il y avait des graffitis pour la vidéo que j'ai fait en fit avec Gab. J'aurais pu venir là, au lieu de faire sur ma vieille tablette, là. Et si on prenait en photo une vache? Oh, viens, on fait Shifumi. Si je perds, je dois rendre la vache hyper stylée. Shifumi. Voilà. Bon, bah, pas de photo de vache pour aujourd'hui. On va se poser. J'ai envie de t'entendre un truc bien. Oh, attends. Bah, je peux pas l'allumer quoi. Non, en vrai, je fais quoi? On va pas retourner chercher. Bon, comment expliquer ça? Sans me faire insulter dans les commentaires, l'image parle d'elle-même. Benjamin prépare tout. Le setup caméra pour filmer la vidéo. L'appareil photo 200-600 avec le Sony A7 III. Vide les cartes SD. Benjamin ne prend pas la batterie. Je vous promets que c'est pas fait exprès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer qu'on peut faire des belles photos au téléphone. Non? Bon bah, changement de vidéo. C'est la continuité. Écoutez, c'est comme ça que ça se passe ici. On va faire une petite balade. On va juste faire le tour du lac. Et on va faire des belles photos. Bon voilà, allez, c'est parti. Donc du coup, on va utiliser l'iPhone 14 Pro Max. On va essayer de faire des trucs sympas. Je sais qu'on peut faire de la pose longue. Bon, malheureusement, c'est pas l'endroit. On va voir. Je mets mes photos en RAW. C'est de la folie. Tu te rends compte, une batterie. Bon, regardez. Typiquement, avec un téléphone, juste en organisant un petit peu le point de vue, regardez, je vous montre. Hop là. 500 likes sur Insta, ça. Ça, c'est 500 likes, pas moi. Hop. Bienvenue dans Terre Inconnue, la nouvelle. Non, alors, donc du coup, le point de vue important au téléphone. Bon, malheureusement, mon 200-600, là, j'aurais pu faire des trucs sympas. Je suis à la recherche du moindre petit être vivant, que ce soit mammifère, oisidé. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser à un endroit. On va attendre qu'il y ait un petit merle, un petit rouge-gorge qui se pose. Et puis, voilà. Bon, on va faire du parcours maintenant. Je vous montre ce que c'est d'être un vrai photographe animalier. Oh merde! J'en ai perdu mes lunettes. À toi! Come on! J'ai repéré un petit canard. On va le prendre en photo. Bah en fait, je veux pas trop l'embêter, c'est ça qui va être compliqué. Donc je vais pas faire de bruit. Je vais m'approcher, je vais. Bah je prends une photo quoi. Je crois que je l'ai dérangé. J'ai dérangé les canards, j'en suis désolé. Je vais essayer de jouer avec le reflet de l'eau. Je pense qu'il y a un truc à faire. Oh, je me suis relevé trop vite. Oh, j'ai eu la tête qui tourne d'un coup. Je t'en manque de fer. Je t'en manque de fer. J'ai léché le pont. On continue. Là, on va aller se poser, on va faire un affût maintenant. Par là que nous irons. On va se poser au foutu affût là, que pour l'instant on a fait deux photos. Ça fait beaucoup trop de temps qu'on est là. Ça, c'est soit quelqu'un qui a fait de la peinture, soit une mouette qui a avalé un sacré laxatif. Alors là, je connais bien cet endroit. C'est là où il y a le fameux héron dont je vous parlais la dernière fois. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de poules d'eau. Donc je me dis, si on se pose à un endroit, qu'on attend, on aura peut-être une poule d'eau. C'est con comme nom, une poule d'eau quand même. On se pose là, elle est quand même loin. Oh là là, t'as vu? Oh là là, c'est compliqué hein. Oh, il y a une loubilule. Bon alors, deux options. Soit on va là-dedans, soit on prend le chemin. On va là-dedans. Ah, c'est super, c'est que des ronces. Ah, c'est hostile hein. Ça fait trop trop mal. Alors,
En soi, ça sert à rien d'aller par là. Je peux peut-être faire une photo en mode nature, mais c'est tout. Ça, c'est une vraie liane, ça. Ah, vous entendez ça? Ça, c'est des oiseaux des tropiques. Des vrais de vrais. T'inquiète, t'entends? C'est quoi ça? Des oiseaux des tropiques. Et oui. Imagine, il y a le fameux héron, là. Et je peux pas utiliser mon 200-600. J'ai bien fait comprendre c'est qui le patron. Il y a un papillon. Et là, il y a toute une biodiversité. Hein. Il y a des libellules bleues, il y a des poupillons, des papillons, il y a des abeilles. C'est génial. Qu'est-ce qu'elle est belle, la nature. Et nous, on la détruit. Oui, pas nous, mais les gens, ils la détruisent. En fait, j'entends un oiseau, mais je suis pas sûr. En fait, voilà, c'est le problème de cette saison, c'est qu'il y a grave des feuilles dans les arbres. Et du coup, t'entends les oiseaux, mais tu les vois pas. Technique. Alors, ça peut paraître gugus, hein. Quand vous entendez des oiseaux, vous tournez sur vous-même. Et du coup, tu sais d'où le son provient exactement, tu vois. Mais c'est fou, il est où? Je le vois pas. Bon, bah... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y aura pas eu énormément de photos. J'en suis désolé, c'est complètement ma faute. J'ai oublié ma batterie. Mais vous êtes habitués, j'ai envie de dire. Donc, on refera un format de ce type avec tout le matériel nécessaire. Je vous emmènerai en POV photo avec la petite GoPro, ce sera une dinguerie. Puis, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. C'est à la prochaine.